Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de la carte topographique et on va voir comment on peut utiliser les composantes qu'on a discutées la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a discuté les outils utilisés au cours de la sortie géologique, à savoir la boussole, la carte topographique, le marteau de géologue et leur utilité, d'accord ? Et on a aussi parlé sur les composantes, ça veut dire la lecture de la carte topographique. Les composantes de la carte topographique, à savoir le titre, la légende, les flèches d'orientation, les courbes de niveau, les coordonnées géographiques et les coordonnées kilométriques. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va voir l'utilisation de la carte topographique, ça veut dire comment peut-on utiliser les différentes composantes qu'on a discutées la dernière fois. Alors, on va commencer par les points cardinaux. Ça veut dire quoi les points cardinaux? Vous savez donc aussi ici, on a le globe terrestre, ici c'est le pôle nord, le pôle sud. Donc le nord c'est ici, le nord, le sud, l'est, l'ouest. D'accord? Et il y a d'autres directions intermédiaires, par exemple le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest. Si vous êtes toujours au nord, vous commencez par le nord. Vous dites nord-est, c'est pas est-nord. Le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest. Mais les directions principales, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord ? C'est pour savoir les directions. Le nord, montée N, le sud-est, l'est E, l'ouest O, etc. D'accord ? Donc, les points cardinaux sont le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et il existe des directions intermédiaires, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest. Et l'ensemble de toutes ces directions forme ce qu'on appelle la rose des vents. La rose des vents, c'est ce qu'on appelle la rose des vents. C'est pour déterminer les orientations. Comment peut-on orienter la carte? Ça veut dire qu'on va passer à l'orientation de la carte topographique. Ça veut dire quoi l'orientation de la carte topographique et à quoi sert l'orientation de la carte topographique? C'est une technique très très importante, d'accord? Pour orienter la carte topographique, on va utiliser la boussole et on va utiliser la carte topographique, d'accord? Qu'on va orienter. Rappelez-vous la dernière fois lorsqu'on a dit que dans la carte il y a ce qu'on appelle la flèche d'orientation qui indique le nord, ou bien vous le trouvez comme ça, le nord magnétique NG, le nord magnétique NM, ou bien le nord géographique NG. D'accord ? Pourquoi on fait l'orientation de la carte ? Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai ici une carte, d'accord ? J'ai ici une carte, il y a le titre, c'est vers le nord, et le nord, c'est le nord géographique, le titre indique toujours le nord géographique, mais ce qui est important pour moi, c'est le nord magnétique, ça veut dire le vrai nord, le nord réel, détecté par la boussole. On a ici la boussole, d'accord? Donc le nord NG, c'est le nord de la carte, où on trouve le titre. Mais le nord magnétique, on peut le savoir, on peut le connaître en utilisant la boussole. D'accord ? La boussole contient un aiguille aimanté qui va pointer vers le nord magnétique. D'accord ? Pourquoi on fait l'orientation de la carte ? Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai la carte de la région. D'accord ? Et j'ai ici le point S, la station. Ou bien la station où je suis, d'accord? Je suis là, et je veux aller au collège, par exemple. Je veux aller de point S vers le point C. Et j'ai la flèche d'orientation N, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller comme ça. Je suis ici, je dois aller vers cette région, bien cet point-là. Donc, si je prends la carte comme ça, donc pour aller au collège, je vais aller comme ça, directement. Mais supposons que j'ai prenais la carte comme ça. Je suis ici, le collège est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller
vers la gauche. Mais supposons que je prends la carte comme ça. Donc l'origine est ici et là-bas. Donc, ou bien comme ça, je dois aller comme ça. Donc, je ne peux pas trouver mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire ? Yani, l'arabia, adna kharita topographia, yak, mathalan, bghit na'raf. Daba, l'kharita fima, qelti liha chamal. Daba, chamal hiya l'kharita. Ila shdite hikka, tqul li kada huwa chamal. Shdite hikka, tqul li kada huwa chamal. Fima, qelti liha, tqul li kada huwa chamal. قلت لي على الكوليج راه كاين هنا تقول لي كاين هنا سير شديتي على الكرت تقول لك الكوليج هنا سير ياك ولكن البوصله لا البوصله لاحظوا معايا لا بوصول دونك عندنا هذه لا بوصول ياك كتقول لي فيها واحد ليغوي ايمونتي ابره مغناطيسيه كتقول لي وديرها للنور كاين لهاد الجهه فاش كندورها ماشي بحال الخريطه هي واخا ندورها كيبقى ديما تيقول لي فوالا تيقول لي كاين للنور هاد الجهه كندور هذا لهاد الجي تتقول لي دائما راه النور لهاد الجي واخا تدور اذا شكون اللي غادي نتيق واش غادي نتيق انا الخريطه ولا غادي نتيق البوصله بيان سور البوصله لان هي ديما تبقى تحافظ ليا على النور واخا كندور البوصله ما غادي كو جو تور لا بوصول اي انديك توجور لو نور ici d'accord donc qu'est-ce que je dois faire je vais poser ma boussole sur la carte دابا راه باينه لان قلت لكم لو نور كاين هنا اش غادي ندير غادي نشد الخريطه بحال هكا وغنمشي هكا للكوليج واضح ولكن سيبوزون كو فوز ايت دون اون اوتر ريجيون انت دابا كاين فواحد البلاصه اخرى وعندك يعني خريطه واحده اخرى ديال ديك البلاصه فين كاين انت عندك لقيتي فيها دو فلاش ان جي و ان ان لو ان ان هو اللي كيهمنا هو النو غيال داكور كيس كو جو دوا فير دونك جو في بوزي لا بوصول سور لا كارت ياك وكتقول لي مثلا البوصله راه كاين الشمال هنا اش غادي ندير غادي ندور لانه واخا ندور البوصله نورمالمون واخا ندورها راه ما غاديش لو نو سي توجور فير ايسي داكوغ دونك جو دو اي جو تور جو تور جو تور حتى كيتنقى لا كوانسيدونس يعني كاين واحد التطابق بين داك الابره ديال البوصله وهذا السهم ان ان المرسوم على الخريطه واضح اذا قبل التوجيه ها هي قبل التوجيه قبل التوجيه هي هذه صوره قبل التوجيه هنا بعد التوجيه دابا موجه ولكن دائما هكا لان هكا كتكون البوصله خص تكون افقيه واضح اذا جو ريبيت كيلي لانتيغي شنو علاش كنديرو لوريونتاسيون ديال لاكارت توبوغرافيك باش ما نتوضرش باش نلقى البلاصه اللي كنقلب عليها باش نعرف نشد لاكارت ونعرف شي حاجه كاينه على اليمين دابا وانا شاد الخريطه هكا راه فعلا كاينه على اليمين في الواقع شي حاجه كاينه على اليسار راه فعلا كاينه على اليسار في الواقع اذا هذا هو لوبجيكتيف داكوغ كومون بو faire l'orientation de la carte. Awelen, premièrement, je pose la boussole sur la carte. Deuxièmement, je fais tourner la carte jusqu'à ce que, hatta, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole coïncide avec la flèche NM représentée sur la carte. D'accord? Je répète. Premièrement, je pose la boussole sur la carte et je fais tourner la carte ou bien tourner l'ensemble jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole qui indique qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le nord magnétique réel coïncide avec le nord magnétique les maçons à la carte d'accord jusqu'à NM qui a dit coïncide avec NM qui a dit NM a dit la haqiqia quand je dois à la carte voilà donc un autre exemple alors la carte d'accord notre carte maintenant, N est le nord magnétique ici. Premièrement, je dois poser la boussole. La boussole contient l'aiguille aimantée qui pointe toujours vers le nord magnétique, le nord réel. Qu'est-ce que je dois faire? Et malgré que je tourne la boussole, il va indiquer toujours le nord vers ici. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner la carte. Ou l'ensemble. Donc, je dois tourner la carte. Donc, NN est parallèle à l'aiguille aimantée. Ou bien coïncide, ou bien pointe sur. Donc, NN, juste, donc, premièrement, je pose la boussole sur la carte, et je fais tourner la carte jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole pointe sur, ou bien jusqu'à ce que NN, la flèche NN, pointe sur, dans la même direction où il pointe l'aiguille aimantée de la boussole. D'accord? Je crois que c'est simple. Donc, pour orienter correctement une carte, premièrement, on place une boussole sur la carte, deuxièmement, puis on fait tourner la carte jusqu'à ce que
l'aiguille de la boussole coïncide, ou bien pointe, coïncide, coïncide avec le nord magnétique de la carte. D'accord? Et vous avez le document dans votre cahier de documents. D'accord? On va passer à l'utilisation de l'échelle. D'accord? On va passer à l'autre composante, l'échelle. Et vous savez, l'échelle, c'est très simple. Par exemple, dans cette carte, on a cette échelle. 1 sur 2 500 000. D'accord? Ça veut dire quoi? L'échelle, elle relie, ou bien c'est la relation entre la distance sur la carte et la distance réelle. Donc l'échelle, c'est la distance sur la carte divisée par la distance réelle. Ça veut dire quoi, ce chiffre-là? Ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 2 500 000 cm dans la réalité, sur le terrain. D'accord? Par exemple, on a ici deux villes. Je veux savoir la distance existée entre Mons et Liège. Quelle est la distance? Je dois mesurer la distance sur la carte. Par exemple, j'ai mesuré, j'ai trouvé 4 cm. D'accord? Donc, puisque 1 cm représente 2 500 000 cm, donc je dois multiplier par 4. 4 cm va représenter ce chiffre-là. Multiplié par 4, ça va donner 10 millions. 10 millions centimètres. Et puisque la distance est très grande, la distance entre deux villes, on va transformer nos centimètres en kilomètres, donc c'est 100 km. Donc la distance entre ces deux villes, c'est 100 km. Il faut aussi noter l'échelle, qu'il y a deux types d'échelle, l'échelle numérique et l'échelle graphique. Par exemple, ici, ça représente, c'est 1 cm sur la carte, représente 10 000 cm dans la réalité. Ou bien, 1 mètre sur la carte représente 10 000 mètres sur la réalité. Donc, 1 cm sur la carte représente 10 000 cm, ça veut dire 100 mètres sur le terrain. Ici, 5 cm, donc j'ai 5 cm représente, 5 cm représente, ou bien correspond à 5 km sur le terrain. Donc, 1 cm représente 1 km sur le terrain. D'accord? On va passer à l'utilisation du coordonné, une autre composante importante de la carte topographique. Et vous souvenez toujours, dans la dernière séance, on a parlé sur le coordonné de type les coordonnées géographiques et les coordonnées kilométriques qu'on trouve dans les bords de la carte. Et vous savez que les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, mais les coordonnées kilométriques sont exprimées en kilomètres. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, on a l'équateur, donc l'équateur, et aussi qui porte le coordonné 0, et on a ici le méridien de Greenwich, qui porte le coordonné 0. D'accord? Et on cherche, par exemple, le lieu ou bien le point, un tel point dans le monde, et je dois déterminer, il se trouve, est-ce qu'il se trouve, par exemple, au nord de l'équateur ou bien au sud de l'équateur? Ou bien il se trouve à l'est de Greenwich ou bien à l'ouest de Greenwich. Par exemple, le point 1, où se trouve-t-il? Il se trouve au nord de l'équateur, mais si toute cette région est le nord de l'équateur, il se trouve, ici c'est le méridien de Greenwich, il se trouve à l'est. D'accord? Il se trouve au nord de l'équateur, mais comment? Est-ce que c'est 2 degrés ou bien combien? Combien? Si 50 degrés nord de l'équateur, et il se trouve, ici c'est l'est, l'ouest. L'ouest, combien? On a ici 10, 20, 30, 40. 40 est de Greenwich. D'accord? Un autre exemple, ça c'est l'équateur qui divise le globe terrestre en deux, horizontalement, mais il y a aussi le méridien de Greenwich qui divise, donc c'est verticalement. Horizontalement, verticalement, ici l'équateur, le méridien de Greenwich. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le Maroc, ici, le Maroc, il se trouve où? Il se trouve au nord, donc ici l'équateur, il se trouve au nord de l'équateur. Ici, l'est, l'ouest de Greenwich, il se trouve à l'ouest de Greenwich. Exercice. Représentez le point H avec les coordonnées 0, 0. Ça veut dire quoi 0, 0? Elle porte
le point H doit être existé sur le point 0, donc il va être existé sur l'équateur. Il va être existé sur l'équateur, et aussi 0, donc il va être existé sur le méridien de Venise. Donc c'est très simple, le point H, c'est ici. Deuxième point, A, 20 degrés nord de l'équateur. On a ici l'équateur, 20 degrés c'est ici. 20 degrés est, on a ici E, O, E c'est l'est, d'accord, 20 degrés est. C'est ici. Et je fais l'intersection, donc voilà, la projection ici, donc l'intersection de ces deux projections, j'obtiens A. Donc le point A est ici. D'accord? Donc ça, ce sont les coordonnées. Le point A. La même chose, le point B, 40 degrés nord, voilà 40 degrés nord, et on a 10 degrés O, donc D, voilà. 10 degrés ouest, donc le point B c'est ici. Concernant le point, l'autre point, c'est le point C, 20 degrés sud, donc 20 degrés sud de l'équateur et 60 est de Greenwich. 60 est, voilà 60. Je fais la projection, donc le point C c'est ici, d'accord. Concernant le point B, 60 degrés nord, voilà 60 degrés nord de l'équateur. D'accord, voilà. Et 80 degrés est. Voilà l'est, voilà l'ouest. L'est, 80 degrés, c'est ici, d'accord. Donc, j'ai le point D ici. La même chose pour F, d'accord. Le F, voilà, le point F, c'est ici, d'accord. Comme ça, je détermine les coordonnées géographiques d'une telle point ou d'une telle région, d'une telle ville sur la carte, d'accord. Et les coordonnées, ces premières coordonnées s'appellent là, je commence toujours par la latitude. La latitude, c'est la distance qui sépare, soit nord ou bien sud de l'équateur. Le deuxième coordonnée, c'est la longitude, soit l'est ou bien l'ouest. D'accord? Donc, séparé par point-virgule. D'accord? Donc, on prend, pour déterminer la position d'un lieu sur Terre, on utilise des coordonnées géographiques exprimées en degrés, comme ceci. On écrit A, ou bien la ville concernée, donc la latitude en degrés et la longitude, d'accord, en degrés toujours. La latitude, bien là, est la distance qui sépare un point du globe de l'équateur, soit au nord ou bien au sud, mais la longitude est la distance qui sépare un point du globe, du méridien du Greenwich, à l'est ou bien à l'ouest. D'accord? Remarque, il faut signaler qu'il y a l'autre type des coordonnées, c'est les coordonnées kilométriques, exprimées en kilomètres. Par exemple, dans cette carte, on observe qu'on a des coordonnées exprimées en degrés, dans cet côté, et aussi ici. D'accord? Donc il s'agit des coordonnées géographiques, mais on peut trouver aussi d'autres chiffres. Voilà les chiffres qui représentent les coordonnées kilométriques. Pour obtenir les coordonnées d'une telle point ou d'une telle ville, et il suffit de faire la projection dans, ici, horizontalement et verticalement, je vais obtenir les coordonnées géographiques. La même chose, de l'autre côté, je vais faire la projection ici, et je vais obtenir verticalement, et horizontalement les coordonnées kilométriques. D'accord? Donc c'est pour ça. Par exemple, concernant les coordonnées kilométriques, la France, par exemple, la ville A, je dois faire la projection ici, donc on a ici 500, donc ce point-là, c'est 550, je dois écrire toujours comme ça, 550 comme la latitude. Concernant la longitude, je dois faire la projection ici, donc on a ici 2000, donc 2100, d'accord, je vais écrire 2100. D'accord. Donc, remarque, Gilna, on distingue aussi les coordonnées kilométriques à la marge de la carte exprimée en kilomètres. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a discuté comment peut-on utiliser la carte topographique, les composantes de la carte, surtout les flèches d'orientation. D'accord. Discuter comment orienter la carte topographique, comment on peut utiliser l'échelle et les coordonnées.
géographique et kilométrique. Et surtout, la carte, l'orientation de la carte topographique, c'est très très important. D'accord ? Elle risque aussi d'être composante concernant, par exemple, les courbes de niveau, les points côtés. Les courbes de niveau, c'est très très important parce que les courbes de niveau vont donner une idée sur le relief. Donc, c'est ça qu'on va utiliser la séance prochaine, Inch'Allah. On va discuter comment on peut représenter du relief. Représentation du relief sur la carte topographique. Parce que la carte topographique doit contenir du relief. S'il y a du relief, c'est une carte topographique. S'il n'y a pas de relief, il ne s'agit pas d'une carte topographique. D'accord ? Donc on va discuter ça, Inch'Allah, après. Par exemple, cette colline, d'accord ? Comment on peut la représenter sur la carte topographique ? À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à bientôt. Salam alaikum.